the Biz Connect show, where we discover businesses in Africa and promote their integration into the new digital economy, which is fueled by the internet. In the spotlight today is Alima Diko, a young lady who specializes in culinary arts and owns a restaurant in Yaoundé, Cameroon. Follow Alima at lanordienne@bridgeafrica.com and don't hesitate to visit her restaurant. Enjoy today's show. Étant allée à l'école pour étudier le commerce international, elle a su canaliser sa connaissance dans le domaine de l'entrepreneuriat, plus précisément la restauration. Salut, moi c'est Alima Diko, je suis ressortissante de la région de l'extrême nord Cameroun, précisément vers Kaélé, voilà. Mon activité principale, c'est la restauration. En fait, je suis entrepreneur. Mon activité principale, c'est la restauration. C'est vrai qu'en parallèle, je fais dans la mode top model. Voilà, mais mon activité principale, c'est la restauration. Voilà, mon parcours académique, voilà, j'ai commencé en sixième, à la Rosière Collège, après les rails, voilà, les rails après Insam. Après, j'ai continué à Adventiste Oja. J'ai passé tout mon cursus scolaire à Adventiste Oja, depuis la 5e jusqu'en terminale. C'était voilà, un cadre idéal. Je ne sais pas pour l'éducation, mon père a trouvé en tout cas. Et j'ai continué à l'université en 2012, j'ai continué à ISTAG. J'ai fait un BTS à ISTAG. Je l'ai eu et puis en commerce international. Moi, j'avais opté pour les affaires assez tôt. Voilà, j'ai fait commerce international pour me sentir un peu libre dans mes activités. Voilà. Mon restaurant s'appelle le restaurant La Nordienne. La Nordienne, voilà, c'est un peu original. C'est vrai que c'est pas dans le dictionnaire, mais c'est pour dire que je suis ressortissante du Nord. C'est vrai que mes plats ne sont pas typiques Nord. C'est à cause de mon environnement. Ça ne me permet pas de faire les plats typiques Nord. Mon restaurant est situé à Borne 10, à Oja, Total Borne 10, en face de la Total Borne 10. Il y a une entrée, juste à l'entrée, vous voyez le restaurant. Il est situé à gauche de l'entrée. Donc, le restaurant a un mois de vie, voilà. C'est depuis un mois que j'ai ouvert ce restaurant et ça va plutôt bien, ça va plutôt bien. J'étais timide au départ, mais là, je crois que ça va aller. Aussi, le plat principal ici, c'est le gésier. Donc, on reconnaît le restaurant par le gésier, le plat de gésier, rôti de gésier, voilà. Gésier sauce basket, gésier rôti. Bon, c'est un plat qui ne manque jamais ici. C'est un plat qui est prisé parce que quand une personne entre, quand je cite tous les plats, la première chose à voir, le gésier, c'est comment, machin. Ce programme vous est proposé par la plateforme bridgeafrica.com qui aide des entreprises en Afrique à créer un réseau d'identité numérique, à étendre leur impact. Nous comprenons que de nombreuses entreprises sont isolées, n'ayant pas la capacité d'aller au-delà de certaines barrières physiques du marché. C'est pourquoi nous racontons leurs histoires et connectons chacun d'entre eux sur un site web via la plateforme bridgeafrica.com. Avec Alima Diko, nous avons créé un site web pour son restaurant accessible à l'adresse lanordienne.bridgeafrica.com. À part le gésier, on retrouve du ndolé, du héro, poulet, basquez, yassa, poisson, basquez à la poêle. On retrouve la sauce d'arachide au poulet du village. On retrouve aussi les beefsteaks. Parce qu'on calcule toutes les couches sociales. On retrouve les beefsteaks pour vraiment retrouver chez les Sénégalais. Voilà. C'est vrai qu'on va innover. On est en train de voir une nouvelle perspective. Comment faire les poissons d'eau douce, les viandes rares, les gibiers, je veux dire. Et les escargots aussi. Le kanga, voilà. Donc. Si vous venez d'ici
D'ici là, je crois que nous serons déjà ravitaillés. La vie n'est pas un cadeau. Halima, malgré les hauts et les bas, ne s'est pas laissé faire, mais a poussé de l'avant pour se créer une voie vers le succès et est parvenue à mettre sur pied son restaurant à elle, qui fait le régal de ses clients. Ce qui me motive à ouvrir un restaurant, c'est que j'ai déjà une passion pour l'art culinaire depuis que je suis toute jeune. Et je ne me rendais pas compte en fait que j'avais une passion pour la cuisine, pour la restauration. Mon papa m'a offert mon premier livre de cuisine. Bon, moi je ne comprenais pas vraiment les choses qui étaient dedans à l'intérieur. On me parlait de girofle, machin, truc à l'époque. Moi je ne connaissais pas ce que c'était, mais j'ai gardé, j'achetais souvent. Je ne sais pas pourquoi j'achetais. Je me dis que c'était le destin, voilà. Et tout le temps, quand je partais, j'étais chez une amie, chez une tante, voilà, j'étais toujours à la cuisine, je regardais comment ils faisaient. J'ai pas vraiment fait de formation en cuisine, j'ai pas vraiment. Mais je m'y connais par l'expérience d'autres personnes. Et j'ai aussi fait des services traiteurs, voilà. Je faisais ça comme ça dans l'informel. Après un jour, on m'a demandé, qu'est-ce que tu peux faire si c'est que tu as... Si tu as de l'argent, qu'est-ce que tu peux faire, voilà. Moi, je faisais des business, genre j'achète des trucs, je revends, voilà. Parce que ma mère, elle a fait dans le commerce. J'achetais, je revendais et puis j'étais une bonne commerciale. Et voilà, finalement, j'ai opté pour ouvrir un restaurant parce que je me sens à l'aise dans d'abord rencontrer les gens, être en contact avec les gens et... appliquer ce que j'ai découvert comme une passion, voilà. Voilà, je crois que c'est en grande majorité comme ça que j'ai décidé d'ouvrir un restaurant. Le cas de la jeune Halima Leyla, qui est promotrice de l'entreprise, un restaurant, le restaurant La Norvienne, a effectivement attiré l'attention du PEA Jeune parce que c'est vraiment le symbole de la détermination dans l'entrepreneuriat féminin. Et vous allez vous rendre compte que cette jeune dame réussit à combiner à la fois cette détermination en entrepreneuriat avec de la passion. Parce que n'ayant même pas suivi de formation à la base dans le secteur de l'art culinaire, elle réussit à intégrer ce secteur par passion afin de créer son entreprise. Et au cours de la formation, dans nos structures d'incubation, nous avons un module très intéressant que nous appelons le leadership féminin. Alors, comme toutes les jeunes filles qui sont sélectionnées dans ce programme, Halima Leyla n'a pas connu beaucoup de difficultés pendant la séquence d'incubation parce que le PEA Jeune intègre un certain nombre d'éléments pour pouvoir promouvoir le genre à travers cette démarche d'accompagnement. Voilà déjà les difficultés que moi je rencontre ici, ou bien que j'ai rencontré au départ, c'était déjà... la manière que les clients et dont les clients étaient sceptiques, voilà. Les clients étaient sceptiques, voilà, une personne qui vient d'arriver au quartier, comment est-ce qu'elle cuisine bien, on voulait te mettre à l'épreuve, voilà. Mais je crois que j'ai bravé cette étape. Et une autre difficulté, c'est les problèmes d'eau, voilà, d'approvisionnement en eau. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Vous pouvez faire 2 jours sans eau. 3 jours, presque une semaine même, donc il faut forcément des réserves et c'est pas évident parce qu'un restaurant doit avoir de l'eau courante. De l'eau courante, il y a des jours ça tourne vraiment où tu dois dépenser de l'eau, voilà. Autre chose, c'est quoi? Le personnel, voilà, le personnel qui n'est pas toujours conforme à ce qu'on veut, à ce qu'on désire. Cela, on se sépare d'eux assez rapidement. Ayant constaté l'importance de la filière agricole dans l'économie camerounaise, le gouvernement du Cameroun a mis en place des structures relevant du ministère des petites et moyennes entreprises pour accompagner les jeunes Camerounais qui ont décidé de s'aventurer dans ce domaine. Alors, s'il s'agissait de parler de l'accompagnement que le ministère apporte aux nouvelles entreprises, Vous conviendrez avec moi que ce n'est plus aujourd'hui un secret. On crée ces entreprises au Cameroun en très très peu de temps, en 72 heures maximum. Et ceci, c'est le délai maximum. L'État, le commissaire des PME, a bien voulu adresser cette problématique sur les délais
à travers les CFC, qui sont des unités, qui sont des poules aujourd'hui de création d'entreprise. Il est facile pour chacun qui a une idée de projet de se présenter dans ces organisations, dans cette unité, et d'établir le statut de l'entreprise. Maintenant, au-delà de l'entreprise qui peut être faite de ce côté, nous encourageons les gens à travailler sous forme de coopérative également. Pourquoi ? Les coopérateurs sont des gens qui aussi apprennent à travailler ensemble. Nous avons une grande difficulté que nous observons, c'est celle de ceux qui veulent toujours évoluer tout seul. Ce n'est pas facile d'évoluer seul. Mais inspirons-nous de la nature. La nature nous permet de comprendre que les lions, le lion qui est le roi de la forêt, les lions chassent en meute, les loups chassent en meute, les hyènes c'est pareil, les poissons ils vivent ensemble, les fourmis travaillent en équipe. Il faudrait que nos porteurs de projets comprennent qu'il y a plus, c'est une chose que d'avoir un projet, c'est une chose d'avoir une idée, c'est une autre chose que de gérer une entreprise. Et pour cela, nous, au ministère des PME, nous faisons déjà à ce que les délais soient respectés à travers les CFCE qui sont logés dans les 10 régions et un centre spécial en co-création à la PPI nationale pilote d'entreprise d'IDEA pour faciliter l'accès aux promoteurs à cette composante qui s'appelle l'établissement en lui-même. Vous voyez, nous sommes en pleine période de Covid. Toutes les mesures incitatives qui ont été prises ne profitent pas au secteur informel, de façon directe, parce que n'étant pas formalisé, c'est au moins l'occasion d'interpeller nos acteurs de l'économie de ne pas rester dans l'informel, parce que dans l'informel, on ne gagne pas à ne pas être classable. Le restaurant La Nordienne est situé à Odia, Total Borne 10, en face de la Total Borne 10, en fait, en face de Canal+, qui est à Total Borne 10. Donc l'entrée qui est là, regardez juste à gauche, le restaurant La Nordienne va vous accueillir. Alima teaches us how, when you merge your passion as well as your business know-how, you can get the best results. Visit her restaurant today and follow her at La Nordienne at bridgeafrica.com. And don't forget, connectivity is productivity.